Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce 300ème épisode de Robocraft. Bon, on y est chers amis, fuck it, on y est. Bon, comme vous le savez, il y aura pas d'ouverture de crates, hein. En tout cas, pas dans le cadre d'un achat. Cependant, on va faire quelques games. Je pense que cet épisode durera à peu près une heure et demie. Ce qui va changer beaucoup en fait des autres épisodes de Robocraft maintenant qu'ils sont assez courts. Et je trouve que c'est pas plus mal, remarque. Comme c'est plus court, c'est plus concis pour vous, ça me permet d'être plus au taquet. Et du coup, vous avez de meilleurs contenus. Et on va partir directement, tiens on fait quoi, un Team Deathmatch avec celui-là ou un Battle Arena? On n'a pas encore fait de Team Deathmatch avec le Eagle, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Battle Arena non plus avec. On part directement en Team Deathmatch. Et on verra bien. Bon, j'espère que vous êtes tous au taquet pour ce 300ème épisode. Certains d'entre vous me posent des questions vis-à-vis de Free Jam, bah, ils m'ont toujours pas répondu. Hein. Donc voilà, je l'ai un peu dans le baba. Depuis que je leur ai dit que j'avais effectivement plus de 2K abonnés, loin de là, et encore une fois un grand merci pour les 5K, je n'ai pas de nouvelles, pas la moindre nouvelle. Donc voilà. Voilà. Bon. Est-ce qu'on va être efficace? Je sens que je vais être le seul robot volant de tout le jeu. This is Team Deathmatch. Kill the enemy team to win. The first team to reach the target total wins. Hop. Hop. On s'en est pris plein la poire déjà pour commencer. Hop les... Crac. Et de 1. Oula, on en prend plein la patate. Ah d'accord. Oui, je comprends mieux maintenant. Il me touche même pas, mais ça me fait des dégâts. Pratique. Pratique. Il me touche même pas, mais ça fait des dégâts. Donc un Tesseract qui fait ce genre de choses. D'accord, ok, bon bah écoutez, pourquoi pas. Alors déjà que j'ai testé les Tesseract ou les Bolo Balls, mais alors là on atteint vraiment des sommets de conneries. Ok, je me fais défoncer. Qu'est-ce qui me tire dessus, putain? Ah, mais nom de Dieu. Je vais vraiment finir par me payer un Tesseract, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais finir par m'en payer. Parce que de toute façon, regardez, personne ne les touche. Le machin est en train de me farmer. Est-ce que quelqu'un peut me le faire, ce truc-là, ou pas? Bah non. Putain. T'es pas censé voler, t'es un sac à purin. Ça me saoule, je suis désolé, chers amis, mais... Moi, ça me saoule à un point. On peut pas gagner face à un Tesseract. Regardez, à deux, ils se défoncent les deux. Bouffe celui-là aussi. Eh merde. J'ai bien dû faire un petit peu de dégâts avec ton machin au corps à corps là. Ah oui c'est vrai, parce que ça aussi c'est immortel comme truc. Ok. Non mais c'est génial, ça commence très bien. Ça commence très bien. Voilà, bouffe. Dommage. Try again. Mais bon, entre les Tesseract et les... Si ça se trouve, avant la fin de cet épisode, je vais craquer. Je vais avoir pris un Tesseract, hein, sur le shop. Mais je sais pas si le shop, ça a changé ou pas comme principe de fonctionnement. Hop. Aïe. Voilà. De toute façon, je ne peux rien faire. Dans cette game, je ne peux rien faire. Donc prendre le Eagle dans cette game était stupide. Vu que les Tesseract font tout. Alors, juste pour voir. Genior, est-ce que tu es un...
que tu es un Tesseract? On rigole. Ok, tous les tirs sont ratés. Team defeated. Donc je pense que... Alors Jorod, c'en était un. Non, c'en était pas un, si, c'en était un, je sais pas. Bon, bref. Bon. Est-ce qu'on craque? Est-ce qu'on craque, chers amis? Comment ça se passe, les achats dans le shop, maintenant? Comment ça se passe, les achats dans le shop? Est-ce que c'est pour une durée limitée? Est-ce que c'est pour une durée limitée? Est-ce que c'est pas pour une durée limitée? Ah, je me suis trompé de bouton. Excusez-moi. Alors. Alors. All CPU. Voilà. On va prendre ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en Tesseract dans le coin? Oui, je suis en train de craquer. Et alors? Ouais, alors ça je suis pas tout à fait sûr du concept. Grapple box. D'accord. Intéressant. Et genre vous en avez pas un avec des Tesla? Histoire qu'on rigole un coup. Alors, any weapon, est-ce qu'on peut mettre Tesla? Voilà. Movement. Je sais pas comment ils font leur movement. ça s'en est un peut-être, non? Tesla Tesseract, le nom est bon déjà là. Le nom est présent. Combat rating. Voilà, crack. Alors voilà, hein. Il fait que ça. Hein. Alors moi j'aimerais bien un peu plus d'armement. Histoire qu'on soit même faire plus de choses. Un robot japonais, tiens. Il fait du heal, il fait du bomber. Mais c'est pas un Tesseract. Il a un bomber, mais il a trop peu de lames à l'avant. Tesla Ghost, il est très 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 joli. Alors reste à savoir comment il se déplace, parce que là je pourrais pas savoir comment il se déplace. Il est très 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 joli, bravo. La gueule. Et ça vole ce truc là? 1594. Alors, celui-là avait l'air sympa aussi. Bon. Ça c'est quoi, Iron Star? Oh, c'est joli. Ah, c'est très joli. Ça, c'est très 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 joli. Bon, trouvons ce Tesseract. Il est joli aussi, celui-là. Tesseract. En voilà un. Hein. Il est à combien de flops? CPU 1530. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de rajouter un canon quelque part là-dessus? Ouais, sans doute. Sans doute. Mais je le sens pas au niveau du nombre de... Ah. Je préférais plus d'armes. C'est le même, non? Non, c'est pas le même. Vous voyez, lui, par exemple, il a que deux lames à l'avant et je trouve ça trop peu. C'est compliqué. Surprise Crimpy. D'accord. Je vais pas vous faire la traduction française.
Je vais pas vous faire la traduction française. Donc on partait sur un truc qui s'appelait Tesseract à la base. Est-ce que je peux mettre Tesseract? Non. Dommage. Repartons comme ça alors. Il y a celui-là. Et il y a celui-là de mémoire. Après celui-là, je peux peut-être le modifier pour qu'il fasse autre chose. Combien qu'il me coûterait celui-là? 225 000! Tu peux te le carrer où je pense. D'accord, ça fait mal au cul. Attendez, pas un prix comme ça. Et je crois que c'est parce que comme j'ai des robots qui prennent déjà des trucs. Vous voyez, par exemple, j'ai ce robot-là que je peux dismantle. Hop. On va aller voir ensuite ce que ça donne au niveau des prix. Ah, de là, ça réduit un petit peu. Oh la gueule, les prix sont exorbitants. Ces prix sont exorbitants, chers amis. Ah, ça fait mal au cul. Pas moyen de trouver un Tesseract simple, à pas cher. Pas cher, pas cher. Allez. Pas ta pute. Ah, c'est le nombre de boosters qui coûte cher. Ah non, attendez. Attendez, je sais comment réduire le prix aussi, tiens. Au passage. Au passage. Sur quoi je l'avais mis ce truc là aussi? Attendez, peut-être que j'en ai un en fait dans mes poches. Cosmétique. Non, j'en ai pas, donc je sais que j'en ai un quelque part. J'en ai un ici. Il semblait que j'en avais deux, des trucs comme ça. Il me semblait que j'en avais deux, des trucs comme ça. Bon, pour le moment, on va l'enlever ici. Ah, quoi que non, ça m'embête de l'enlever ici. Là, je sais que j'en ai pas mis, normalement. Là, je ne pense pas l'en avoir mis. Là, j'en ai peut-être mis un, par contre. Là, j'en ai peut-être mis un. Non, pas ici en tout cas. Non. Là non plus. Où est-ce que je suis censé l'avoir mis? J'en rappelle plus moi. Eh, je sais plus. Catastrophe. Faudrait qu'on puisse avoir un manifeste des différentes choses qu'on a dans un robot. Ok, apparemment c'est pas là non plus. Ok, bon, c'est pas grave. Ici, normalement, j'en ai pas mis. Ici non plus. Là non plus. Pourtant, j'étais persuadé d'en avoir deux. On est d'accord, j'en ai bien deux, hein. J'en avais chopé un deuxième. Cet épisode qui se passe uniquement dans le shop. Ok, bon bah je vais récupérer celui qui était sur l'autre. Qui était sur lui, pour le moment. Puis on reverra à l'avenir. Normalement, ce qui veut dire que le Tesseract est beaucoup moins cher là. 48 000. Est-ce qu'on craque? Allez, on craque. On craque. Voilà. Il est forgé. Il est prêt, il est là. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut rajouter un petit peu d'armement à l'avant, par exemple? Je suis persuadé que j'ai un truc ailleurs. Je suis persuadé que j'en ai un ailleurs. Je sais juste pas où est-ce que je l'ai foutu. Ok. Ok.
J'ai craqué, chers amis, ça y est. J'ai pris un Tesseract. C'est la fin du monde tel que vous l'avez connu. J'espère que vous l'avez bien compris, celle-là, parce que le monde va changer. Le monde va complètement changer. Hop. Crac. C'est parti, le monde va changer. On fait un petit drive test. Un connecté lui dit robot. Gnagnagna. Ah bon? Ok, bizarre. Voilà, là ça passe. On fait un petit test et on part en Tesseract. Voilà, c'est le début de la fin. J'ai craqué mon slip. Oh la vache. Ah, c'est comme ça que ça se pilote. Bah d'accord. Oh la gueule, assez dynamique à piloter, remarque hein. Hop, boum. Je pourrais lui rentrer dedans que ça lui ferait rien du tout. Ok, ça m'intéresse, on va pouvoir aller rigoler. Voilà, c'est le craquage psychologique du Marcus. Craquage psychologique face à tous ces Tesseracts en jeu. C'est parti, vengeance, Team Deathmatch. Anti-Tesseract. C'est parfait, on y va. T11 PB. Voilà. Letter limit is bullshit. Il a raison. Il a raison. Voilà, j'ai craqué, chers amis. J'ai craqué, j'ai entièrement craqué. J'ai complètement craqué. C'est parti. Même si je pense qu'il va pas être hyper méga solide, je sais pas pourquoi. Je sens que je l'ai payé un prix de connerie pour pas grand chose. Ok. On va rester avec nos copains. Ok. Échec. Combat de Tesseract. Enfin, combat de. De trucs laser, c'était dommage, c'était une grosse défaite. Why not? Alors c'est compliqué à manœuvrer, je vous le dis hein. Hop les. Ah la vache. C'est dur à manœuvrer. Hein. Oh la vache! C'est incroyablement dur. Leçon de Tesseract. Putain. Aïe! Erreur de ma part. Aïe! Erreur de ma part! Aïe, bon bah, ça va être compliqué de faire des kills. J'ai pris un vaisseau avec lequel je pourrais jamais faire des kills. Quel abruti. Attendez, il y en a un là-bas qui est au sol. Boum. Oh merde. Ok, j'ai plus de lame. C'était pas un Tesseract ce que j'ai pris. Sur le mode mouvement si. Et sur le reste non. Oh la gueule. La dérouillée qu'on se prend. La dérouillée qu'on se prend, chers amis. Boum. Oh la gueule. Oh Gartux qui fait pas un kill mais qui disconnecte. Si ça c'est pas propre.
Oh la gueule, la partie de merde. J'aurais dû prendre un vrai Tesseract. J'aurais dû prendre un vrai Tesseract, celui-là m'a pris de conneries pour pas grand chose. Boum. Oh, ça touche pas ça. Allez. Oh la gueule, il est 10 fois plus maniable que le mien. Et je peux plus voler pour une raison inconnue. Aïe. Oh bah d'accord. Ah bah bien. Bien le choix du vaisseau, bien le choix du robot, Marcus. On fait pas un kill. On fait pas un kill, chers amis. Je crois que je suis tombé sur la seule équipe qui était anti-Tesseract. Enfin, anti-système de mouvement, là. Bla. Ah bah voilà, pas comme ça, je suis coincé. Hop. Putain, raté. Hop. Oh. Pourquoi quand moi je touche un ennemi? Mais... Aïe. Aïe. Hop. Oh non. Non, non. Il s'acharne. Bam, dommage. Bon. Alors, non seulement j'ai gâché mes sous, non seulement j'ai gâché mon temps, mais en plus j'ai gâché cette partie. Ah putain! Oh la gueule! Ah, meurs! Je suis en inversé! Non mais merde! Il est 1000 fois trop fragile ce truc. Je vais jamais arriver à faire le moindre kill avec ça. Oh la gueule! C'est une hécatombe. C'est une hécatombe, chers amis. Hop les voilà, Team Defeated. Oh la violence! Oh non! Oh, j'ai gaspillé autant de pognon pour un truc comme ça? Vous êtes sérieux? Oh, la gueule! Yeah. Allez, on y retourne. Il faut qu'il soit efficace. Voilà. Il a rien fait. Complètement inefficace sur cette game. Faut être honnête, chers amis. Faut être honnête. Bon, on repart. Putain. J'ai acheté un vaisseau, un robot, et il fonctionnera pas. Voilà autre chose. Il m'a coûté la peau du cul. Il m'a coûté la peau du cul, chers amis. Oh, voilà ce que j'aurais dû prendre. Voilà ce que j'aurais dû prendre. Un vrai Tesseract.
pas un pseudo Tesseract. Remarque, l'accélération il est bon. Aïe! Oh bah oui, mais bien sûr! Mais bien sûr! Aïe 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 aïe! Oh, le dessous de la map! Je suis tombé face au seul robot qui survivrait à une attaque de. Aïe 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 aïe! Mais merde! Go fuck yourself! Et de 1. Dommage. Bon. Il est temps de s'y mettre. Même plus que temps. Non, tu ne mourras pas. Ah, quel dommage! Quel dommage! Boum! Oh mais non! Mais tu t'es planté dans l'utilisation de tes armes! Non, t'avais plus d'énergie, c'est ça? Ah, quel dommage! Quel dommage! On est mauvais avec ce robot! On est clairement mauvais! Hop, et de 1. Ah! Je suis coincé. J'étais coincé. Mais si j'en donne un à chaque fois que j'en fais un, c'est pas bon. Hein. Si je donne un kill à chaque fois que j'en fais un, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc il arrive dedans celui-là. Allez, oh non! Mais non! Mon 300ème épisode! Mon 300ème épisode, bande de nazes! Putain, mais prévenez-les à l'avance, vos maintenances! Oh mais non, mais c'est débile! C'est débile! Ah bah oui, mais alors là, mais c'est génial! Ah, c'est vraiment l'épisode 300 du chaos, quoi! Oh la gueule! Eh bah écoutez, on va la tourner cette vidéo jusqu'à ce qu'on rentre en... Jusqu'à ce qu'on rentre en comment que ça s'appelle en... Ah bah bien sûr. Ils sont où tous mes copains? Jusqu'à ce qu'on rentre en comment que ça s'appelle en... En comment? En maintenance. Oh là là! Oh mais c'est la dèche cet épisode! Oh l'épisode du chaos, mais il pouvait pas plus mal se passer. En plus je me fais farm au spawn! Par un putain... Mais merde! Ah bah oui, normal! On n'est plus que deux dans la game. Ah, c'est de pire en pire. Voilà. Bravo. Bravo, Free Jam. Vous avez chié sur votre jeu une fois de plus. Bravo. Voilà. C'est génial. Vous avez chié sur votre jeu une fois de plus. Parce que oui, plutôt, chers amis, plutôt que de comment de rendre invulnérables les joueurs au respawn pendant 10 secondes, non, non, ils ont considéré que ça, c'était légal, c'est-à-dire que le fait de quitter la game et de laisser les joueurs restants se faire farmer était légal, était legit. Du coup, on leur a mis une super fast regen, c'est pour ça que je regen directement au début du jeu. Mais c'est débile, il y a de quoi report là. Et je parle pas des joueurs en face, hein. Les joueurs en face ils ont raison, ils gagnent la partie. Mais ouais, non, il y a de quoi report les joueurs qui quittent. Non, mais c'est pas la peine, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, j'ai aucune raison de rester. C'est génial. Ou en tout cas, il faut aider ceux qui comment... Ceux à qui...
ceux qui sont restants, quoi. Je veux dire, moi, je voudrais bien avoir au moins une diamond, là. Parce que, putain, on se fait farmer, le jeu n'est pas drôle, là. Et de 1. Voilà. Je m'emporterai tous dans la... Ah bah ça y est, je suis tout seul. Ah non. Bien sûr. Hop. Génial. Hop, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, team defeated. Ah bah tiens, tiens donc. Alors là, je suis étonné. Je comprends pas. Oh, cet épisode 300 du chaos. Cet épisode 300 du chaos. Du chaos le plus absolu. 11, ah ouais, génial. Rhino Joe, d'accord. Bon. Et on repart. On repart, chers amis. Jusqu'à ce qu'on y arrive à gagner. Oh là là, la déchéance. Le chaos. Le chaos représenté par ce robot. Et par cet épisode. Cet épisode, c'est la définition du Larousse, du chaos. Tout simplement. C'est d'une connerie. Ah, la gueule. Remarque, ça rend l'épisode encore plus drôle, hein. Enfin, j'espère que vous le pensez comme ça, parce que moi je le pense comme ça, mais... Oh là 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 là. Et j'avais plein de vidéos de Robocraft à tourner cet après-midi. Je peux me les mettre dans le fion. Ok. Boum. Oh. Hop. Raté. Bon, on va aller au sol. Pas une bonne idée. Oh. Heal. Oh. J'ai réussi à me coincer dans un arbre. Génial. De mieux en mieux. Raté. Oh bah bien sûr. Hop les bouffe. Bien sûr. Et lui il farme le spawn. Oh la gueule. Mais c'est quoi ces mecs? Oh là 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 là. Tiens, bouffe. Bouffe. Ah, oh, fais chier. Non, oh, oh putain. Tu me bouffes un pauvre mur. Nom de Dieu. Je suis mauvais. Je suis mauvais. La bouffe. Hop. Oh mais putain, mais à cause d'un pote. À cause d'un pote.
donne mes kills à cause d'un putain de pote. Bien sûr. Mais oui, mais allez-y, allez-y, y a pas de problème, no soucis, no soucis. J'ai pris le vaisseau le moins tanky du monde, et il n'avance plus. Il n'avance plus, il tourne. Pour le plaisir de tourner. Et ça se déconnecte. Ça y est, c'est la fête. C'est la fête. Genre, c'est ranked, quoi. Ah, putain, mais dégage. Ah, je vais commencer par insulter les gens, c'est pas bon. D'accord, c'est lui qui m'a fait tant de dégâts et pas l'inverse. Allez, tire. Non, je suis mort. Ça farme le spawn dans ce game mode, c'est épique, hein. Hop, allez, on se redresse. Allez, faites des dégâts, les mecs. Putain. Non, non, ça tente pas de tirer. Tu te fais farm au spawn, mais tu captes pas que de tirs au-dessus de toi. Putain, mais... Oh là 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 là. La décadence, quoi, la décadence. J'entends Malcolm là, la chanson de Malcolm, Life is Unfair, bah c'est un peu ça. Que tu vas finir par te prendre des dégâts. Team Defeated, bah voilà. Comme ça c'est clair. Bon, c'est génial. Je vais pas en gagner une seule. L'épisode 300 de la loose. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Ok, on collecte, on va retourner, on y retourne, chers amis, jusqu'à gagner une partie avec ce robot, ou jusqu'à atteindre, enfin, le time limit, le time over de la maintenance. C'est génial, c'est l'épisode 300 du chaos le plus total. Oh là là. Oh, je vais pas en pleurer, mais presque. Dites à mes amis que je m'en vais. C'est Coda. C'est Coda. Allez, on y va. Kill the enemy team to win. The first team to reach the target total win. T'es sérieux là? Il restait un de leurs putains de snipers quelque part. J'ai attendu, j'ai pris le temps. Hop, tiens, bouffe. Hop. Je l'ai eu. Vraiment, je l'ai eu. Oh, quoi? Quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est quoi ce bordel? Chier. J'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. Dommage. J'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. Bon, c'est pas grave. On y retourne. Hop. Oh, mais non. Ah. Allez. Non! Putain! Mais non! Mais non! Et je peux plus tourner! Je peux pivoter à tout péter!
Oh mais non! Mais le mec il m'a poursuivi sur toute la map quoi! Vas-y, pète-lui la gueule, voilà, parfait. Et de 1. Dommage. dommage. Pourquoi je suis quelqu'un kill? J'en ai fait au moins 2, non? Donc je l'ai pas tué le dernier. Il s'est juste barré. Coupé en deux. C'est bon, ils l'ont eu. Eh merde, casse-toi, toi! Mais putain, mais il me saoule celui-là à me suivre! Je vais employer des termes que je vais regretter! Tiens, bouffe! Non bah non voilà je suis coincé, je peux plus tourner. Ils m'ont pété le côté du vaisseau qu'il fallait pas. Allez. Ah quel dommage. Face à lui, ça pouvait pas être autre quelqu'un d'autre que lui en fait. C'est chiant. Cette partie on pourrait la gagner. On aurait dû la gagner. On va la gagner. Mais non, tout ça à cause d'un de mes potes. Putain. Ah nom de Dieu. C'est pas possible ça. T'es censé être mort. Voilà. On fait toujours un de mort. Ah putain. Non, ils sont à un kill. Là-bas c'est fini. Oh putain. Fais chier. Je vais pas avoir le temps d'arriver dans la game. Je veux pas être le dernier kill pour autant. Je vais être le dernier kill. Je le sens tellement mal. Non! Non, pas toi! Pas toi, je te hais! Non! Oh non! Non! Oh putain! Oh cet épisode 300! Oh là là! Cet épisode 300! L'erreur! Cet épisode 300! Oh putain! Oh! Juste pour voir, il me reste combien de temps avant les. Une vingtaine de minutes. D'accord, c'est violent. C'est violent. Hop. C'est violent. Oh, la gueule. Bon. C'est magique comme épisode. C'est véritablement magique comme épisode. Faut la remédier à renflouer les caisses, chers amis. Les robots sont toujours présents sous Marcus Bonus. Oh la gueule. Oh là. Allez, on y retourne.
On y retourne, on y retourne. Hop, on y retourne, on va essayer de les surprendre. Putain. Hop, et de 1. Hop, passe par là. Ok, personne au sol. Ok. Eh ben non. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Et lui? Putain. Forcément. L'épisode commençait trop bien. Oh! Hey! Ce vol! Ce vol incontesté! Ah, c'est parce qu'il a régène! C'est parce qu'il a régène qu'il a survécu! Non! Oh non! Oh non! Putain, non, non! Meurs! Meurs! Je tuerai jusqu'à ta descendance! Non, faut redescendre, et vite. Eh ben non. Hop. La régène qui me repropulse en l'air. Qui me met même carrément sur le côté. Mais non, je touche! Je touche! Putain, je touche mon adversaire! C'est quoi cette saloperie? Ça fait deux fois que je le touche. A mon avis, quand il est dans l'herbe, ça touche pas. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Hop! Non, faux! Il m'a pas touché. Hop. Quoi? Mais ce foutage de gueule! Pourquoi eux ils profitent d'un lag et pas moi? C'est débile! Pourquoi eux ils profitent du lag et pas moi quand je suis à 2 mm du machin, ça touche pas? Et eux par contre quand moi je suis derrière un mur, ils arrivent à me toucher. C'est quoi ce bordel? Et bien sûr, en plus ils se mettent à m'attendre. Là autre chose. Et voilà, ça touche pas. Ah là, là ça a touché. Putain. Ah, je suis désolé, mais là ça me saoule. Ça me saoule. Ah, puis là c'est un vrai Tesseract. Autrement dit, je ne peux rien faire.
Voilà. Voilà, casse-toi toi. Voilà, génial. Je devrais pas m'aventurer dans leur spawn, putain, je suis tellement con. C'est pas possible autrement. Mais enfin bon, c'est l'épisode de la loose. C'est le 300ème épisode de la loose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête la série? Je sais pas. Je commence à me poser de vraies questions. Et je suis spotted. Et tu ne le vois pas. Tu ne sortiras pas indemne de cet amour avec moi. Il y a trop de gens qui s'aiment. Et je ne peux plus tourner. Je me suis encore fait défoncer. Je me demande où sont les autres là. Qu'est-ce qu'ils font sur les extérieurs? Honnêtement, qu'est-ce qu'ils font sur les extérieurs? C'est ça qu'il aurait fallu que je prenne, chers amis. C'est ça qu'il aurait fallu que je prenne. Putain. Aïe, mais merde! Putain, je peux rien faire! Je peux rien faire sans me faire défoncer. Tiens, bouffe. Voilà. Mais merde. Et je lui ai à peine fait des dégâts. Hop. Aïe. 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 Bon bah voilà, c'est encore la end of the game. Voilà, je me suis carrément arrêté de bouger. J'en ai donné 8. C'est épique. C'est complètement épique à quel point ce jeu est devenu moisi. Putain. Tiens, bouffe. Et je suis plus en régène là. Honnêtement, je devrais être en régène là. Je suis coincé. Ça y est. Je suis décoincé. Attendez, je vais peut-être trouver une astuce. Wouah, pour me retourner, ça c'est bon. Faisons-lui peur plutôt. Allez, je peux plus tourner. Ah non, c'est le pire robot. Et franchement, je l'ai payé un prix de connerie. Pour pas grand chose. Vous allez m'aider? Non. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi aider? Putain. J'en commence à en avoir ras-le-bol. Ah, mais merde, va te faire foutre. C'est l'épisode 300 de la rage. Putain. Hop. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi eux ils profitent du lag et pas moi? Je passe à 2 mm 2 à chaque fois, mais non, je me fais entuber. Encore et toujours. Croire que j'aime ça. Le mec il a même plus peur de moi. Le mec il me tire même plus dessus. J'ai donné 11 kills. C'est génial. C'est magique.
c'est absolument magique. Remarque, une chose est sûre, c'est que là, pour le coup, si je jouais avec des reports, je me ferais reporter des dizaines et des dizaines de fois. Oh là là. Bon. Bah. Alors... Alors... C'est la dèche. Je sais pas comment le dire autrement en fait. J'ai payé un prix de connerie en robot qui ne les vaut pas. J'aurais dû prendre un vrai Tesseract. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai été con? Pourquoi j'ai été con? Parce que je le suis souvent, ça c'est sûr, mais bon, c'est... Il y a Bill Cosby avec nous. Oh merde. Les enfants, cachez-vous dans un placard. This is the end. The first team to reach the target total wins. Hold your breath and count to 10. Hop les... Et 2-1. Et 2-2. Ah merde, je crois qu'il y en a un autre qui m'a touché, non? Je croyais. Oula, on se calme, Marcus. Hop. On va gagner une game, mon dieu. Ce serait incroyable. Cela serait tout bonnement incroyable. Il m'avait vu ? Comment ça, il m'avait vu ? Il a un radar ? C'est pas possible autrement. Occupé. Aïe. Voilà, bouffe. On va se barrer maintenant parce que l'autre il va repop aussi sec. Hop. Il l'a eu, parfait, on peut replonger. Ok. Ah putain! Non! Non! Aïe! Là! Bon bah ça c'est fait! On est à 10 kills, est-ce qu'on va gagner une partie? Ce serait incroyable! Ce serait tout bonnement incroyable! Je vous dis pas comment je l'ai gagné parce que vous avez tous remarqué que je faisais toujours des demi-tours pour passer par derrière l'ennemi.
Y'en a bien un qui va essayer de rentrer. Y'en a bien un qui va essayer de rentrer. Hop. Essayer de se remettre droit. Ce serait peut-être pas mal. Hop. Oh, il y a eu contact là, monsieur l'arbitre. Voilà. Oh non. Mais non. Ah, fais chier. Fais chier. Je sais même pas ce qui m'a tué. Ça? D'accord. Ah oui, lui, il avait un radar. D'accord. Hop. GG à lui. Hop. Hop. Oh non. Non, pas sur la seule game qu'on était sur le point de gagner, chers amis. Pas sur la seule game qu'on était sur le point de gagner. Bon. Eh bien écoutez les amis, ça met fin à l'épisode 300 de la déchéance. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, de votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Heureusement qu'ils avaient prévenu pour la maintenance, hein, d'hier. Moins, hein, putain. Cet épisode.